Peuple haïtien, nous mêlons. Nous prenons un complot et complot ça, c'est pas jodi, hein. Mais on dirait que complot a vint augmenter, complot a vint pillage, pi gros et pi puissant parce que l'on comprend que Gary Conille comme nouveau premier ministre pays qui rentrait en Haïti, eh ben qui vient aider peuple haïtien, qui vient sauver pays. Ça n'est pas étonnant que on pral l'attendre. Dans qui complot Haïti lui-même li prend journée jodia. Nous avons des batailles éclatées entre Claude Joseph et Gary Conille dans faire réunion la nuit avec Gérald Gilles. Si vous un premier ministre qui a un caractère, qui a connu son chef, ou pas capable de faire réunion politique la avec l'autre monde, ou t'as convoqué les gens dans le bureau, la caillou ou bien dans l'autre espace, mais pas la caillou dans les eh bien, il manque trop en bas bâton. Et je dis, eh bien, premier ministre Gary Conille qui finalement, ba raison qui fait te accepter job vin premier ministre dans pays d'Haïti. En pile zam débarqué dans pays dans dernier temps ça yo dans moment Kenya dans pays ya dans moment ça 400 maozo a jeune zam ils ont jeune zam si la bia jeune zam tout gang yo a jeune zam et nèg yo gen des zam yo gen là même la police pa gen zam ça yo c'est pas nous qui dit nous pral invite autant de dans vidéo ça. Et ben jodi là peuple haïtien, si c'est pas nous même qui lever camper, si c'est pas nous même qui met tête nous ensemble pour nous réactiver mouvement bois calé à côté de croison nèg exam pousser le bois calé, nous fait carré dans problème, nous fait carré dans crier, nous fait carré dans courir parce que complot a li pas petit américain, canadien, français, yo met tête ensemble pour faire nous même encore petit peuple noir, nous craser pays ça et puis pour prendre contrôle li, pour remettre nous dans l'esclavage, pour remettre nous en bas domination parce que c'est comme ça, Américains, yo même, yo bâti fortin yo, c'est craser ti pays yo, sous tout ça, yo gagne, mettez les amis dans mes petits jeunes, craser l'école, craser tout ça qui bon dans le pays, ça, yo, et puis yo même, yo là comme sauveur, et puis qui est encore cap craser pays, ya, si, yo même. Eh bien, nous allons faire tout détail dans la vidéo, ça, mesdames et messieurs, Esaïe Sezam, M. Péterel, à Glonanger, Esaïe Sezam, pas qu'à Kimbe, parce que l'elle, ouais, combien kafou que le jambé, hein? Comme Riel qui li traversé comme corridor avant d'arriver dans radio télé éclair et ben son bagage tête chargé on écoute pour plus détails n'a tourné mais hypocrisie n'est qu'à propos oui mais dans l'occident bagage bay c'est travail pourtant hypocrite mais radio ça moi même mon discours est franc. Ce matin je vais parler franc avec les Américains, les Français, les Canadiens. Et ce samedi dit là, je voulais pour chaque monde dans le pays, comprendre ce que je dis. Et je demande à chaque haïtien, si c'est vraiment petite de saline, pas fake petite de saline, pas faux petite de saline, pas coup petite de saline. Si c'est petite de saline, vrai, ou qu'on guerrier, ou voulez entrer dans le pays, ou monde dans la diaspora. Pas monde qui a appelé vos amis, sinon, qui n'a con, qui veut faire gros l'argent, qui a vos amis, sinon, pas dans la diaspora. Gombon bluffer. Nous connaissons les Américains, les Français, les Canadiens. Ils ont cette possibilité d'aider Haïti. Mais ils ne peuvent pas faire. Mais non, nos dirigeants. Je vais parler avec les dirigeants également. Nous connaissons. Qui ça fait autorité, pas qu'un grand garçon, grande femme. Qui prend responsabilité pays, même avec Ibrahim Traoré, qui paraît, qui dit bon, Américain, pas de bêtises. Monsieur Américain, on n'a pas passé une bêtise. Et m'a aimé croiser avec l'ambassadeur américain. M'a aimé croiser avec pour me parler avec. J'ai nagé. Face pour face, tout quoi. M'a besoin de possibilité ça. Pour me voir avec l'ambassadeur américain. M'a besoin de voir avec monsieur l'ambassadeur. Ou m'a voulu inviter à ce moment pour me parler avec. M'a voulu parler avec matin. Maintenant, hypocrisie ça vous même. Monsieur, m'a mouru dans un homme louco. M'a mouru dans un homme louco. Je ne suis pas capable de monter parce que je ne suis pas capable de force proportionnelle pour me. Et si je suis capable avec vous, tu as entendu des CPJ arrêter. Sous base que je suis dans la gang. Je ne suis pas capable de avec vous, je ne suis pas capable de monter la caille. Donc, moi, prisonnier en deux pays. Moi, je voulais. Américain, je ne suis pas rien avec nous sur une base quelconque. Mais je suis seul problème avec nous parce que je suis toute famille États-Unis d'Amérique. États-Unis d'Amérique offrent quelque chose à savoir. La formation sur le plan policier. Je ne vais pas vous avec les Américains. Mais, je vais vous avec eux par rapport au niveau de fonctionnement avec le pays. Et puis,
pas de problème avec eux parce que eux même c'est affaire pays eux à régler. Ils ne font que défendre leurs intérêts parce que les bouddhis, on pays c'est défense pays pour le défendre. Maintenant on y a là, on connaît grand pile nèg dans pouvoir qui pas gain couille, qui pas gain sentiment d'appartenance, qui pas décider, qui peut pour pas perdre visa yo, pour blanc pas bloquer yo, pour pas rentrer la caillou. Moi-même matin m'a parlé avec blanc moi-même et m'a demandé blanc inviter me la caillou pour me parler avec elle. J'ai nogé. Américain m'a parlé avec nous là pendant m'a matin débat là. Non. Moi-même m'a parlé avec américain avec toute autorité en dans pays là. Qui pas pour stabilité yo. On avance. Les nous comprendre. N'a traité un pays par pauvre. Nous connaît qui ça Haïti besoin pour combattre gang yo. Si vraiment nous avons volonté pour aider combattre gang yo. Parce que quand je parle avec le directeur général de la police nationale, que j'ai toujours cette possibilité de parler avec le directeur général, je ne pas sentir dans paume. Je ne vais pas rapporter exactement ça, conversation que nous avons, mais c'est grave. Et solution pays, il n'y a pas besoin de dire le coup de désir. Comment bien ça me dit? Parce que directeur général de la police, vient jouer nous police, craser, cabinet, de blosaïnet. Matériel, la police pas gagné, moyen, on sait de bail. Ou équipe mon appelé, il a dit qui l'a intervention faite. Pendant ce temps, est-ce qu'on connaît le coup désir? Tout ça américain t'a dit a voyé avion vin la bagarre de bail. Boudali ni louko. Oh sérieux, toi dis-moi là. Ah? Louko. Pas grand rien et ça que gang pas bail même. Louko. Pas grand sérieux. Et chaque fois pas grand que l'opération bagarre de bail qu'a fait. Pour qui ça, Amérique ou pas offrir trois hélicoptères? Pour qui ça, et Salvador te offrir hélicoptère? Et puis, l'autre type là passe en bas, Alba et Salvador oppression pour pas hélicoptère. Pour qui ça, Corée du Sud offrir 6 hélicoptères à pays Kenya pour venir bail sécurité, pour aider dans le cas d'opération et cap fait yo? Gede nèg dans l'ONU qui bail pression à pays Kenya pour pas voler hélicoptère venir là. Maintenant, la Jamaïque, yo di a bay la Jamaïque yon gren hélicoptère. Jusqu'à présent, yo fait connait que fok autorité haïtienne yo fè demande directement. Monsieur les autorités haïtiennes, si vraiment nous gen volonté, pas la blanc. Mou konnen nou pè blanc. De toute façon, donc gars y konnen yon certaine responsabilité. Ok. Tout soit dit à la. Oui, monsieur, parce que l'échec du gouvernement. L'échec des autorités haïtiennes à travers les gangs, ça va passer là, c'est l'échec de tout le pays. Messieurs, Américains, Canadiens, Français, et nous qui gagnons tout le bail, nous sommes là. Si nous pas dans l'hypocrisie, aidez le pays. Si nous pas dans l'hypocrisie, sinon, dans le jour où nous sommes là, devant chaque ambassade, et pour me faire sam de fer. Moi-même, mes aïeux, nous devant chaque ambassade. Pour me faire ça, me de faire, à savoir, avec pas 4 mains dans mes mains, pour me dire nous, soit nous quitter pays, ou bien quitter pays, diriger, Jean le diriger. M'a pralé devant chaque ambassade, ça me cite là-haut, ambassade américaine, ambassade de France, ambassade du Canada, parce que vous avez les moyens à pouvoir aider Haïti à sortir de ce bourbier. J'en peux plus, nous quoi désir. C'est mon cri de ce matin. J'en peux plus. Mais pas capable de quoi? Pas capable de quoi? On va vous crier. Mais vraiment, il faut pas marcher dans le pays, men. Pour me finir la matière là, men. Et parti courir dans ma passé, men. Fréquence, mon cher. On va vous crier. Ok, on allait. Bah, vous déchirez. Alors, Louko désire. Louko. Matin, on attendait le Premier ministre Guy Koni dans Radio Caraïbe, dans le cadre d'interview que il a fait Radio Caraïbe. Alors, il faut que nous disions que monsieur et matin de Bagin pour recevoir le Premier ministre Guy Koni très bientôt. Et dans les couloirs des Nations Unies.
Ok, après des bagages pour recevoir ce que Gaï connaît très bientôt. Que ce soit dans les couloirs des Nations Unies. Dans l'occasion 27e Assemblée Générale des Nations Unies en septembre, que ce soit en direct donc, au studio donc, de Radio Éclair. Martin, je m'attendais et Premier ministre Gaï connaît sur Radio Caraïbes. Alors, bien entendu, Gaï connaît comme Premier ministre, M. Clair son bagage. Maintenant, il faut nous analyser ça le dire. Est-ce que quelque part, parce que monsieur pose la question, savoir, et Johnny avec Guerrier, est-ce que l'a négocié avec gang? Mais Premier ministre Andjouba qui est clair, l'invite toutes les gangonettes. Si vous sentez que vous êtes inconfortable dans un moment, si vous sentez que vous êtes bouqué, vous faites injustice à la société, si vous sentez que le arrivé, puis vous demandez pardon à la société. Gon green bagaille que vous pouvez faire, c'est remettre Zamio et puis al rendre tête la justice. Et le clair, il dit que pendant en prison, ou qu'a été le pays. Moi-même, je pensais que c'est une porte que Gaï Koni ouvrit à M. Gagnon pour un certain dialogue. Cependant, il conditionnait le dialogue là. Par contre, il me l'a commencé. Elle dit que il va y avoir un boule de dialogue avec quelque soit chef de gang, non? Mais la négocie à avoir l'onde de prison. L'offre de remettre Zamio, l'offre de remettre tête ou la justice. Laisse ça qu'il faut pas l'avoir. Savoir, garder qui Jean lui-même comme Premier ministre, ok? Il va permettre que, en fait, pour capable pas son bon. Pour qu'il y ait une bonne vie en prison. Ok? Elle est claire. Et c'est presque ces mêmes approches. Ou n'est-ce pas Sabri Valla comme ancien président, il dit, si nous ne pouvons pas faire ça, si nous ne pouvons pas apporter des amis à l'État, si nous ne pouvons pas rendre tête nous à la justice, qu'on y a c'est l'État qui prend le marché, qui prend des amis dans le monde. Et de ça, tout bagaille possible, tout bagaille qui arrive. Par contre, si nous avons des déclarations maintenant, vous avez dit que, quand on est clair sur la question, pour négocier avec gang, il pose des conditions. Faut que monsieur remette l'État Zamge au Guénan, mais yo. Et faut qu'elle remette tête à la justice. Laisse ça, il a considéré, il a négocié avec eux, ou du moins dialogué avec eux. D'ailleurs, il dit clairement que pendant qu'il est en prison, il a utilisé la société. Mais il dit que si on ne veut pas faire ça, ok, si on ne veut pas remettre Zamio, c'est l'État qu'on a qui va le marché prendre Zamio dans le yo. Et laisse ça, tout baga possible parce que il y a des gens qui ont mouru et de fait, pas d'opération d'envergure pour côté que pas des gens qui ont mouru. Maintenant, on nous garde des questions. Maintenant, je dis à Joab, dit là, Isaïe César, Haïti est prise au piège dans la question insécuritaire. Parce que madame, monsieur, ça qui est là comme situation, il faut que je dise nous tout que Zanana pas et vous, Suzanne. Même si Suzanne pas et vous, Zanana tout. Monsieur Gagnon, Zam qui nan men yo la, nan mou men a parlé à la. Même monsieur Kenya ou pa gen Zam ça non? Même monsieur Kenya ou pa gen Zam ça non? Voir pour la police nationale d'Haïti. Également l'armée. Jodi la Esaü, si c'était une volonté réelle du côté des États-Unis d'Amérique pour résoudre le problème insécurité dans le pays, question gang dans le pays, ça va résoudre dans un mois. Avec justement, yon quantité de Marines. Haïti pas besoin de pile Marines pour problème ça t'a résoudre, selon certains experts, dans la question l'armée, dans la question sécurité. Ok? Donc, si les États-Unis voulaient que le problème de sécurité résoudre dans le pays, ils t'a résoudre, madame, monsieur. Claire. Donc, gon politique. Qu'a fait avec Haïti, malheureusement nous-mêmes haïtiens, nous avons cerné politique ça. Probablement, qui cerné, c'est les grands manitou, ok, et de la politique, ok, qui cerné, mais c'est comme si nous regardons que eux-mêmes, ils ont vu un temps court, c'est conzé, c'est esclave blanc, ils n'ont pas qu'à dire États-Unis, ça, ils n'ont rien plus là, non, au contraire, ils ont préféré plier, donc ils ont cherché faveur, donc États-Unis d'Amérique. Ok? Mais je dis à madame, monsieur, écoutez,
pas un volontaire. Il y a madame Linda Thomas Greenville qui a accordé une interview donc à Miami Herald. Côté que lui insistait sous sanction. Maintenant, l'intervention de monsieur Gaï Koni donc dans la presse, je dis, donc il a dit que il me dit ici en émission à débat, sanction va le tourner. Parce que selon madame Greenville, États-Unis rendent compte que sanction au marché, l'hypothèse résultat, l'hypothèse fuit, de rédiger ou pas loin dans les jours à venir, donc Nations Unies va publier donc liste de monde qui pratiquement donc sous sanction, au songe depuis novembre 2023. Le,